Cinquième semaine du championnat GT3 Fanatec Challenge fixe de e-racing. Donc, c'est assez mitigé pour le moment, mais il faut persévérer, je crois. Donc c'est parti pour Barber Motorsport Park. Comme d'habitude, une course de 20 minutes. Alors, Barber Motorsport, c'est censé être aux États-Unis, en Alabama, je crois. Barber Motorsport Park, ça y est, j'ai trouvé. Ok. Ouais, ça le fait bien. Fermer ça. Alors, la ligne droite des stands. Virage à gauche. Carrément un demi-tour complet. Virage à droite, un demi-tour complet encore. Ici, une chicane très bizarre en aveugle. Ici, une chicane rapide et encore une chicane. Et un virage qui se resserre pour arriver sur la ligne droite des stands. Alabama, c'est bien ça. Il y a quoi comme ville dans le coin? Birmingham. D'accord, on était en Floride l'autre fois. On est revenu un peu plus au nord-ouest. Line up on the right side. Closed. Pit road is closed. Bon, c'est parti. P10 sur 18. Vieux chien jaune. Chien. Donc 9 devant et 7 derrière. Je sais pas quel numéro j'ai. Visiblement, j'ai pas le 1, vu qu'il est devant moi. Thank you.
get ready, going green. Post car is off, time to do your job. Green flag, green flag. Go right, go left, car right, clear. Oh putain! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! J'étais bien sur cette course. Right side. Clear on the right. J'arrive à les éviter, c'est cela. Je l'ai bien vu partir. Bon, ils sont où les stands? Oh là 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 là, là tiens pas du tout la bagnole. Les roues de travers. Sont où ces stands? Il doit être par là, à gauche. Ah, c'est pas vrai. J'aurais dû freiner. J'aurais dû freiner là. J'ai cherché à passer. Right here. Pourquoi? Je le vois partir. Je tente de passer à gauche et il revient. Là, je fais quoi? Je peux pas freiner. Alors quand je l'ai vu partir, j'aurais dû freiner, mais non. Là, franchement, je vois pas ce que je pouvais faire d'autre que ce que j'ai fait. Mais je vais encore faire une course avec les roues tordues. Hein. Ah, c'est pas vrai. Quel dommage. Et c'est ma faute. Hein. Faut que j'arrive à les éviter, ces voitures. Il
fait, pour passer, il aurait fallu que j'aille dessus et repartir à gauche. Moi, quand je l'ai vu partir à droite, je suis parti à gauche. Décidément, les courses se suivent et les résultats se ressemblent. Là, j'étais bien dans la course, j'étais bien. Bon, allez, arrête de te lamenter, fais ta course. Ça fait partie des faits de course. C'est ça, la course. C'était lui, non? Semble. Ok, go! You knocked your wheels out of alignment. Oui, ça j'ai bien vu. Ah, mais là, de toute façon, je peux pas rouler. Ouais, il s'est passé. Car right. Clear on the right. You're on the left. Three wide. Car right. Two wide. Stay on the left. Car right. Clear. Car right. Clear on the right. Je sais pas si vous voyez le volant là, mais c'est vraiment pour limiter les points en fait, pour le fait de distance et moins c'est grave pour le safety. Oh, j'étais bien sur ce circuit. J'aime bien les circuits larges comme ça. C'est ici que ça s'est passé. En plus, j'ai raté, il me stand juste après.
forge, je suis devenu un pro des routes travers. À gauche sont compliqués par un dérapage immédiatement. J'avais besoin de me faire un off-track là. Car right. Clear. Vas-y, passe. Thank you.
Far right. Clear. J'aurais presque envie de refaire une course, mais c'est pas les règles que je me suis imposées. White flag, stay smooth. Allez, dernier tour. Car right. Keep to the left. Clear on the right. Car right. Still there. Clear on the right. There's the flag. It's over. Bring it back to the pits. We're going. Revoyons ça quand même. De toute façon, il n'y a pas loin à voir, hein, vu que j'ai pas fini le premier tour.
Cette course me laisse un arrière-goût de trop les boules. Voyons si j'aurais pu faire quelque chose. Ben oui, j'aurais pu faire quelque chose. Fallait juste freiner, perdre des places, c'est pas grave. Hein. J'avais le numéro 13, mon chiffre porte-bonheur. J'ai refait un tour complet. Bon. On va arrêter de ruminer, ça sert à rien. Allez, c'est le départ. Là, ça allait plutôt pas mal. Et alors, c'est là. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à ressortir de l'herbe. Qu'est-ce que je peux faire? On va repartir à gauche. J'aurais dû donner un coup de volant à gauche pour l'éviter. Freiner, coup de volant à gauche, ça marchait pas. Juste freiner. Allez, juste une dernière. Et on arrête. C'est pas mal cette vue. Freine, andouille, freine.
Alors, on était dans le dernier split. Un split à 1000 en sauf. Et donc, j'ai continué la course, ce qui m'a permis de sauver un peu mon safety. Hein. Je perds un point. Le rating, je perds 44 points. Bon. Vu la course, je dirais que j'ai bien limité les dégâts. Mais voilà quoi. Bon, P14 sur 18, soft 998. Je limite les dégâts sur le safety et j'atteins mon point le plus bas. La tendance du rating est plutôt à la baisse. Le safety est relativement stable. Allez, allez. Je pense que sur celle-là, on n'a juste pas eu de chance. Il faudrait que j'ai des super réflexes, en fait. Faut que je bosse. Faut que je fasse tout pour éviter les voitures, en fait. Qu'elles se crashent ou pas. Je fais tout pour éviter les voitures. Voilà. Sinon, mon rythme n'était pas trop mal par rapport au dernier split. Je pense que j'aurais pu terminer dans les 6 premiers. Allez, ciao ciao, salut, c'était Kunga. C'est pas fini, road tout récent, on va y arriver, mais bon, il faut du temps. J'ai pourtant l'impression de bien progresser. Et voilà, on va arriver à la faire remonter cette courbe. Les deux d'ailleurs. Allez, ciao ciao, abonnez-vous, laissez un pouce, un commentaire, à bientôt, c'était